Mais c'est comment activer FL20. Pour activer FL20, c'est pas trop compliqué. Juste se rendre dans les sources du logiciel FL Studio 20. Bon, moi j'ai mis ça. FL Studio 20 ici. Et quand vous allez ouvrir le dossier du FL20, vous allez trouver le dossier ci. Login et FL engine.ddl et FL engine.64.ddl dans ce 2, 3 de ceci. Bon, c'est un dossier et deux fichiers plutôt. C'est le 3 là qui permet, c'est la clé d'activation du FL1. Donc, je cherche juste à localiser Login et le 3 ici. Donc, dans le dossier compressé, souvent ça revient avec ça dedans. Moi j'ai juste fait sortir ça. Donc, quand vous ouvrez FL20, vous devrez trouver les trois autres aussi là. C'est là la clé d'activation. Dès que vous avez repéré, vous copiez juste le dossier là. Copier. Alors, je copie. Et puis, je cherche la source de FL Studio 20. Lancer. Grand file et puis on se rend dans image line, ouais, voilà image line et puis FL Studio 20, on ouvre et puis voilà, ici on colle, on ouvre dans patch FL Studio 20, passer le crack dessin que je vais copier ici, donc vous pouvez trouver ça ici. Donc vous venez juste et vous collez ça ici. Vous collez ça ici. Vous êtes remplacé le fichier dans la destination. Donc vous appliquez ce nom. Bon, pour moi c'est déjà activé, je ne peux pas encore remplacer. Donc voilà, pour remplacer. Et la copie s'effectue uniquement avec le copie de Windows. Si vous utilisez peut-être le super copieur ou n'importe quel logiciel, ça va pas copier. Donc vous rendez ici, vous désactivez. Si vous avez peut-être support copieur, n'importe quoi, vous allez trouver ici. Donc vous pouvez juste cliquer et vous désactivez le super copie là de Windows. Et puis vous utilisez le super copie de Windows. Et puis le tour est joué. Merci.